Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Last Spell. On se relance normalement cette fois, pas de grésillement. On va pouvoir mourir dans les meilleures conditions possibles. Par contre, ça a changé ça. Il me semble que c'était des petites vagues ici qui arrivaient, et là c'est une grosse vague là. Ça par contre, ça a pas changé. Bon, à la rigueur, comme ça au moins, je peux mettre mes héros ici, hein. Ça évitera de trop se disperser. Bête syndicaliste, tu vas te cacher derrière ce poteau pour surgir tel un diable de ta boîte. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Mais non, reste derrière ton poteau. Ici on n'a pas le contre-épineux, ça sert à rien de se mettre trop proche, donc on va se contenter de rester par là. Ici, pareil, on va rester dans le coin, et là, on va voir ce que ça donne. Alors peut-être on va inverser, parce que... c'est plus facile de toucher des ennemis planqués derrière avec la propagation qu'avec le tir. Bon, cela dit, ils vont s'entasser là, avec un peu de bol, on va pouvoir mettre quelques coups sympas. On est que 4, et bah du coup c'est parti. Voyons qui sera encore debout à l'aube. Ah ouais, tout de suite ça joue positif quoi. Tout de suite le travail d'équipe. Ok, l'infusion directe sur les saloperies. Ça fait toujours plaisir. Allez, le petit tir à la hanche pour le plaisir. L'autre est trop loin, dommage. Parce que du coup, si je me bouge en là... ouais, non. Ah, ça c'est dommage. Ici, on pourrait avancer jusque là. On commence à les travailler un petit peu au corps. Fait. Toi, tu vas crever avant de mettre tes buffs, tu seras bien gentil. Alors là, cramer tout mon mouvement pour sauter là pour aller s'occuper de lui, ça ressemble à une idée de merde quand même. Hein. On va plutôt le shooter de loin avec ça. Ok, parfait. Il nous reste un point d'action, mais on va le garder pour le prochain tour. On va rester dans le coin. On est protégé là, donc on va rester dans le coin en vrai. Ici, un petit coup de marteau, un petit coup de marteau, et puis bah on ne sert pas à grand chose d'autre. Hein. Là du coup, on a 7 points d'action. Avec ça on fait 90-113 et avec ça 109-162. Allez, c'est parti, on va y aller à la main pour l'instant tant qu'ils sont pas nombreux. Ici, voilà. Et se mettre contre ce petit rocher. Toi, tu vas te retourner de planquer là. Prendre le petit point d'armure qui va bien. Parce que 3 points, c'est trop. Toi, t'en gardes 1 pour le prochain tour. Ça me paraît bien. Allez, c'est parti. Ah, ouais, voilà. Il y a plus de monde là. Ouh, le gardien élite. En plus, il sait même pas. Coller à ses copains, bon c'est peut-être mieux parce qu'il va pas, il va mettre moins de buff, mais on va plus... ça va être plus chiant pour lui mettre du poison. Alors déjà, regardons déjà ce qu'il fait. Plus 3 de mouvement, d'accord, très bien. Excuse-moi de 1. On va te sniper direct un coup, voilà. Est-ce qu'on peut te mettre... ah, tu t'es vraiment mal placé quoi. Bon. Ne perdons pas de vue. Cela. Alors est-ce que je peux lui mettre un petit toucher affaiblissant? Alors ça fait un peu chier mais au moins ça coûte pas de mana. Et derrière on peut utiliser l'opportunisme. Qui est pas ouf hein, la vache. Cette ces dégâts qu'ils ont. Enfin cette jauge de vie qu'il a plutôt. C'est pas très agréable. Sérieux, j'ai pas la ligne de vue là, à cause de l'autre enfoiré. Ok, ça fait le taf. Ici. On peut
pivoter, ouais, on peut pivoter. C'est pas mal ça, j'aime bien. Ah, sérieux, on l'a pas tué l'autre là-bas. Bordel. Allez. Fais ton œuvre, foisonneur. C'est pas ouf. Enfin, t'as réussi à stun ceux de là, mais j'aurais bien voulu que t'ailles rebondir sur le gardien, mais bon, tant pis, c'est déjà ça. Ici, il y a une saloperie qui résiste. Alors là, ils sont comment là? Ils sont tous les trois collés, mais c'est pas dingue. Ça vaut pas le coup de balancer un sort là-dedans. On va se contenter. Toi, t'as une perfusion. Ouais. T'as une perfusion, ok. Donc on va se préparer à te gérer. On n'a pas de tireur, donc ça, c'est déjà pas mal. On le voit. Parfait ça. Ça c'est cool. Toi t'es bon, on est tous bons. Ok. On a... Putain, qu'est-ce qu'il avance quoi. Bon, au moins il se fait un peu tirer dessus. Alors, ici on se sent un peu seul hein. En vrai, par rapport aux autres trucs. Alors du coup ici, on fait 142-183 et avec ça... Ouais ok, donc on est plutôt là-dessus. Allez, faut critiquer là. Ok, c'est déjà ça. Ici, j'aimerais bien le lancer sur lui. Ça se répondre un petit peu sur tout le truc, ok. Bon, c'est pas si mal. Au moins on la stun, on va buter ceux qui sont un peu à portée là-bas. Et on va se replier probablement derrière notre petit mur. Bien au chaud. C'est qu'il est aussi loin, c'est toi, ok. Ici. Est-ce qu'on va aider par là-bas ou est-ce qu'on va aider par là-bas? On va aider un peu par là-bas. Ça c'est trop loin. Là. J'aimerais bien. Voilà. Mettre dans ce sens là. Parfait. Putain, il résiste quoi. Sale bête. On se replie. Alors ici... Ok, il faut qu'on tue celui-là. Tant bien que mal. Oui, plutôt mal que bien. toi t'es en sécurité, là on est bien. Forcément, t'as le gros rush qui sort là, juste à ce moment-là. Logique. Putain, il fait toujours la perfusion sur les fendeurs là. Les enfoiros. Alors, 5 de mouvement. Ah bah go. Hein. Est-ce que je peux caler un truc comme ça là? C'est pas dingue hein. On va plutôt utiliser l'inertie pour mettre une fessée là, ensuite on tue celui-là. Et là on peut se faire plaisir. Voilà. Avec la garde, ça pique un peu, mais c'est fait pour ça. Alors ici, lui il avance, il y a encore combien de poison? 72 pour 2 tours, c'est pas suffisant, dommage. On va devoir aller se le faire à la main. Est-ce que j'ai pas moyen d'avoir une vision là? Parfait. Ok, nickel. Ah dommage.
Bah du coup tu vas le tuer, au moins ça te fera un petit kill. Voilà. Ici. On le voit pas à cause de cet enfoiré. On le voit pas à cause de cet enfoiré. Et on le voit ou pas? Non, on a plus de points, on va prendre le petit truc. Non, on le voit pas. Du coup, on va avoiner par là. Faut qu'on se replie. Ici, ça c'est mort. Ok, c'est propre. On va attendre peut-être qu'il se rapproche un peu, ça fait chier d'attendre quand même. Hein. On va au moins mettre quelques petites fessées. Et du coup, un petit snipe sur lui, ça serait pas mal. Ah dommage, j'aurais bien voulu éviter qu'il redonne un boost, mais bon. C'est comme ça, là on va peut-être bouffer, mais on a pris notre popo. Ça va. On lui tape sur des tombes. On peut s'en remettre. Alors là il y a encore un saloperie qui essaye de passer. Parfait, on va retourner là. On le voit celui-là. Non, il est coincé par lui. Allez, tue-le. Ah merde. Pas cool ça, utiliser un point pour ça, ça me fait chier. Mais tant pis. C'est la vie. Au moins on élimine tout ce groupe là, sauf la petite saloperie là, mais on verra plus tard. Alors. Ouais, c'est pas dingue. On va privilégier les dégâts bruts. Ici. Mettre un petit stun là. Et ouais, c'est pas ouf hein, on aurait pu faire mieux. Surtout lui, j'aurais bien voulu le stun. On va aller se placer là pour commencer à intercepter eux. Et ici, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que eux sont encore mal placés. Ça fait le taf quand même hein, son truc hein. Allez, on y va. Voilà. Mange. Quand ça critique pas, c'est moins impressionnant, je te l'accorde. Je l'accorde. Faut qu'on se replie. Normalement la petite merde là devrait se faire gérer par les balistes, mais bon. Dans le doute. On est prudent. Alors, là, on a de quoi encore se faire plaisir. On a vu mieux. Par contre, lui booste sa propagation à lui. Hein. Oh, mais sérieux. Tout là, c'est mort. T'as plus de points. Parfait. Oh, c'est moche ça. Faut arrêter de faire des choses comme ça, monsieur. Un point, bah tu peux tuer lui peut-être. Allez, la hache contre le marteau, pas hyper efficace.
Tac tac tac, il y a un trou, c'est dommage, mais on va quand même profiter de ça. Voilà, au moins on fait un peu de dégâts. Survécu. Oh, c'est tellement faible. Il a 60 de garde, faut dire. Hein. Tant pis, on va quand même y aller avec ça. De toute façon, là, oh, parfait. J'allais dire, il n'y a plus que lui à tuer. On va tuer lui vu qu'il meurt pas du poison. C'est par là qu'on va pouvoir courir. Je pense que si je vais là, il y a moyen que j'ai une vision sur un truc. J'en suis là. Nickel. Ça va aider déjà. La petite potion, on va mettre un gros tir là-dessus. Voilà. Vas-y, saute. Il te reste 2 points, faut que tu finisses lui. Où est le dernier? Ah, du coup c'est celui-là. Bon, bah, on va passer le tour, il va mourir du poison. Et on est bien. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça réavance. Saloperie. Ah, on a notre petit charnier élite ici. Donc on va le prendre direct, on se pose pas de questions. Ça a l'air d'être des tas de cadavres de base, hein, tous les autres. Alors, voyons voir ce qu'on a en essence impure. Ok, on continue de travailler là-dessus. Et au niveau du haut fait, la variation de fusil, parfait. Parce que le petit fusil en bois là, il était quand même un petit peu... voilà quoi. Il nous faut quoi pour le casque de départ? J'ai vu qu'on pouvait débloquer le casque de départ. Acheter ou fabriquer 20 casques. D'accord. Sympa. Dispo dans 2 casques. Alors, regardons nos objets. Avec depuis la mage, c'est quand même vachement moins l'orgie d'objets. Hein. Alors, un bâton druidique, blinde de mana, ok, très bien. Ou alors de l'étourdissement, qui est pas si mal en vrai. On serait full bâton druidique. Enfin, full bâton, ouais. 8710, c'est pas mal. Hein. Et bat syndicaliste à la place de ton tome là. 8710 et là 8710 druidique de l'adepte, druidique du compagnon. Ils ont la même le même prix, les mêmes dégâts de base. Et ça c'est quoi? Ça c'est nul ça. On va prendre celui qui fait du mana, tiens, pour le plaisir. Alors là on a quoi? Une armure moyenne, ah, moins 1 de mouvement c'est non. Un pantalon en fourrure qui donne de l'armure à la précision, de l'esquive, ouais. Un chapeau de cuir, de l'esquive et de la précision. Canton, c'est surtout toi hein, qui va avoir besoin de ça. T'avais des petites greffes qui te donnaient un bonus de critique, ouais. T'enlever du mouvement ça m'emmerde honnêtement. Le bonus de vie il est pas dégueu mais moins 1 mouvement. Combien t'as en mouvement? Canton 8. Oh, on peut peut-être se permettre en lui mettant élan, un truc du style. Et charnier d'élite, on a quoi? Alors. Joli. Pas mal aussi.
Et encore un bâton druidique. On va équiper tout le monde avec des bâtons druidiques, quoi. En vrai, l'arbalète est pas mal, hein. Mais le problème, c'est qu'on la mettra à qui? Parce que les dégâts de poison, ça sert à nos mages. Hein, qui vont du coup avoir déjà de l'équipement de bâton à plus quoi savoir en foutre. L'arc. En fait, c'est dommage parce que c'est le seul qui a un... l'arbalète en argent, c'est la seule qui a un bonus de base, quoi. Elle a 23% de dégâts de poison, le reste c'est que des trucs en plus basse qu'elle est épique. Mais les autres, ils ont pas ce qu'il faut. Ou alors on en termine avec les bâtons, on aura 4 bâtons améliorés. Et Kenton, il aurait bien besoin d'une arme, quoi. Après, je peux relancer les piques. Allez, on va essayer de relancer les piques. Ok, une arbalète de points secondaires, 40 de puissance critique, 1 de portée de compétence. Un bouclier rouillé épique, attention, s'il vous plaît. 2 d'XP, des dégâts à distance, ou alors une baguette. 12% de dégâts, c'est pas mal. Hein. Je pense qu'on va prendre le bouclier pour Kanton en vrai. Et du coup, là, l'armure. Parce que on voit que c'est un petit peu short pour tanker quand même des fois. L'armure légère, esquive mana, bah tiens, pour toi. Allez, hop. Et lui il a quoi? Une armure légère aussi. Tout le monde a une autre arme, on va aller voir ce qu'on nous propose à la taverne. Un paladin, une paladine, dégâts physiques et dégâts magiques. Et gros boost de mana, moins d'opportunisme, plus 1 rebond de propagation et moins 7 de mana. Elle est pas mal, elle est que niveau 3 mais elle est pas mal elle. Hein. Assassin fumeuse, bah non, on peut te repérer si t'essaies d'assassiner les gens en fumant, voyons. 22% d'esquive flat. Non, il y a de l'équipement, 11% avec l'équipement. Ouais, pourquoi pas. Chasseur, 100 d'elfes, moins de garde, et charitable. Oh, Maximus est là comme une tronche un petit peu... Je pensais qu'elle avait un trait spécial pour avoir cette gueule, mais non. Visiblement, elle a cette gueule naturellement. Il d'ailleurs. Narcoleptique, ranger, fantôme, ouais, Richard, traître. Solide et Shifmol. Bah en fait c'est elle qui m'envoie le plus de rêves. Mais elle est un peu faible quoi en niveau. Ah elle peut être bien aussi hein. Elle a en plus elle a les bons trucs qu'il faut, mais on la mettrait quoi? Elle a une baguette, une dague, elle vient un parchemin d'assassinat. Lui vient avec une dague avec sa portée améliorée. Et un bibelot qui donne un point d'action visiblement, ok. Et une potion de soin. C'est vrai qu'ils viennent avec des bibelots maintenant. Elle vient avec quoi elle? Un bibelot qui donne pas de compétences. Et là un parchemin de carreaux explosifs. Mouais 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 mouais. Ils me font pas rêver ces persos hein. Oui c'est lui qui a le moins de malus. Un tireur de plus, pourquoi pas. On aurait dû regarder les gens à recruter avant les objets, mais c'est pas grave. Dites-moi dans le chat ce qui vous paraîtrait le plus pertinent. Là, il est que level 4 aussi, hein, c'est un peu dommage. Je vais à FK juste un instant, je reviens. Et hop, de retour. Alors, pas de décision dans le chat. Donc je pense que je vais prendre Maximus. Un petit tireur de plus. Alors pas décision dans le chat ou alors j'ai perdu la connexion avec le chat. Refresh. Non c'est bon. Voilà, comme ça on a un petit tireur studuquesque qui nous rejoint.
On a pas mal de sous. On peut améliorer une bénédiction, on peut construire un geôlier pour faire des bibelots supplémentaires ou des camps de pilleurs. On a peut-être des camps de pilleurs, on va rien. On va commencer à capitaliser sur les défenses là. On est jour 6, il est temps. On a que 10 nuits hein, à Glenwald. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça, ouais. Faut pas qu'on traîne non plus trop, quoi. Alors, c'est parti pour les niveaux. Bat syndicaliste, de la résistance ou de la réduction de résistance, ou un petit critique, 6% de critique. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, on va relancer. Un multi-coup. Non, du dégât de poison. Et donc là, on va prendre le critique. Et en termes de talent, restaurer un point d'action, 5 de précision quand tu rates. Ah, on peut prendre la contagion. Bah, la contagion. La contagion, bien sûr, la contagion. Ici, la résistance pour toi, ça sert à rien. Et là, c'est nul aussi. Ok, très bien. Des dégâts bluff, ça c'est très bien ça. Et on va relancer des dégâts de poison, non. Des chances d'étourdissement, non. Bah. La régène de vie, hein, tant pis, hein, qu'est-ce que je vous dise, moi. Ici, la téléportation. Non, c'est pas trop le thème. Un petit peu plus d'esquive, ouais. La vision, moi pas la vision. Il est pas facile le build de Riggs, honnêtement. Un bonus d'XP maintenant, c'est pas ouf. Ça peut être bien. Allez, on va prendre ça. J'ai jamais essayé encore cette compétence. Après tout, c'est notre soutien, Riggs. Alors, Canton, du mana, de la réduction de résistance. Ça peut être pas mal, hein. On va avoir les saloperies avec une grosse résistance. On va lui mettre une petite réduction de résistance. De la puissance critique. Ouais, je prends. Et là, plus de mana, principalement pour avoir le bonus de dégâts, hein, qui passe à 22 quand même. Ulysse, hein, mon cher Ulysse, prends le bon bâton, voilà. Des dégâts flat ou du critique, qu'est-ce qu'on a là? Des dégâts de poison, très bon ça. 6% de critique. Non, on va prendre les dégâts. Et ici, économe. Ouais. Initiateur, bof. Lest, non. L'arme raccourcie. Ouais. Là, peut-être la persévérance qui peut être pas mal. Ou alors le marquage. Plus de mana. Lui aussi, il a le carburant magique. Il a pas le. La croissance magique par contre, donc ça pourrait s'entendre, un peu plus de mana, mais il faut qu'on trouve des bibelots. Pour l'instant on n'a pas des masses des bibelots, donc c'est peut-être pas utile. On va prendre la persévérance, parce que c'est vrai que quand on rate avec la propagation, ça peut être pas mal. Et lui il aura pas les compétences de propagation quoi, ça peut être un vrai problème dans son but. Putain, il est dégueulasse Maximus, qui veut jouer Maximus? Allez, ce sera Xebus. J'ai toujours imaginé comme ça, Xebus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? T'es venu avec un pistolet qui te donne du critique, de l'inertie, et un peu plus de mouvement, et un petit anneau sacré. Bah oui, Xebus, franchement, quand on se fait des parties de Gloomhaven, tu
sûr que tu te déguises comme ça IRL quand tu fais des jeux de rôle. De la garde, ça sert à rien. Un petit boost de mana, parce que pour rattraper son retard, hein, pourquoi pas. On a quoi là? Bon, ça c'est nul par contre. On le relancera sûrement. On va prendre les dégâts. J'ai pas regardé ses talents. T'as la croissance de mana, t'as les runes critiques qui pourraient être pas mal. T'as le canon de verre, donc t'as un potentiel de but critique quand même, hein. Avec un petit loup solitaire. Bon, tu iras pas très loin au niveau, je pense, d'où tu pars, mais. On va essayer de te faire un petit build de critiqueur, entre guillemets, on va dire. Du dégât. Alors, ça, on a dit qu'on relançait. Ah, oh, c'est nul. C'est nul! Bah, on va prendre les dégâts à distance, faute de mieux. La fiabilité. Ouais, la fiabilité, c'est bien la fiabilité. Un petit boost d'XP pour essayer de pas trop perdre de. Pas trop prendre de retard. Va te donner le premier sang, le canon de verre. C'est pas mal déjà. Par contre, il va peut-être falloir qu'on te donne genre le fusil. Là, il y a un petit bonus de critique, c'est dommage, mais le pistolet, tu vas être un petit peu en galère pour être proche avec le pistolet quand même. Hein. Ouais, on va te donner le fusil. T'as quoi là? Plus de mouvement. Plus d'inertie en plus, ça matche bien avec le pistolet, mais si je te mets au corps à corps, tu vas en chier quoi. Faut utiliser les termes appropriés. Et par contre, Bat Syndicaliste, non, c'est pas lui, c'est Riggs. Il est nul en critique. Par contre, il est fait pour se battre un peu plus proche, lui. Enfin, il est pas très costaud non plus, tu me diras. Non, on va te laisser pour l'instant. On va te laisser ton pistolet. On va voir comment tu t'en tires avec le pistolet. T'as quand même un petit bonus de mouvement, c'est pas mal. Eric, avec sa popo, il fait bien le taf avec le pistolet. Toi, t'as quoi? L'âge boomerang, ok. C'est de la proximité aussi. Tu vas survivre, mais oui, tu vas survivre. Bien sûr, Exebus. J'ai confiance. J'ai ultra confiance. Alors, comment ça se passe? On peut reculer un petit peu la brume. Voilà. Et on peut regarder d'où ça vient. Ok, ici, gros rush là. Pourquoi pas? On va continuer de remonter le mana de Bat Syndicaliste qui s'en sert abondamment. Ulysse lui s'en sert mais il arrive à le remonter. Grâce à la moisson notamment. Hein. Alors du coup on pourrait commencer à poser des catapultes. Si j'en pose une ici, je bloque pas le chemin. Ce qui est pas mal. Et du coup. J'en mets une ici, il faudra qu'on se débarrasse de ça, je vais le mettre dans le trou là. Je vais en mettre une là. Parce qu'on peut faire le tour ici. Et je vais rajouter une balise montée au centre. Ici, ils ont réussi à arriver jusque-là quand même, hein, les petits enfoirés. Donc on va mettre du mur. Ils ont des trucs à réparer. Non, on a rien à réparer, ça va. Ici, une autre balise, ça serait peut-être pas mal là. Hop. Ok, c'est pas si mal. Là, on commence à avoir un angle de tir un peu merdique. Il va falloir qu'on l'améliore celle-là.
Alors, comment on va gérer ça? Il va nous falloir notre ami ici, là. Peut-être un peu proche, là. Hein, s'il y a un truc qui sort, là. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est trop proche. Mettre là. On va le mettre avec Xebus derrière. Protégé par Canton. On va mettre, je pense, Ulysse ici pour tenir. Et là, on va tenir à 2. Avec lui et Riggs. Allez, allons-y. Parfait, on a nos premiers poulpes. Mais il manquait, tiens. Alors, est-ce qu'on pourrait pas commencer par sniper une petite saloperie? C'est la violence. Alors là, le 22% d'esquive, il fait chier. 52% d'esquive. Là, il y a un 0 par contre. Là, pas d'esquive. Ronde à foule. Est-ce qu'on irait pas balancer un petit poison là-bas pour se débarrasser de la grosse... du personnage que nous n'apprécions pas particulièrement. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Ok, pour l'instant sur ce flanc, ça va. C'est au milieu d'une case de plus par sécurité. Alors là, il y a cet enfoiré. Qu'est-ce qu'il s'est mis comme bonus? Ah rien, c'est derrière. Ok, c'est derrière. C'est derrière. Bon, le seul truc qu'on peut faire, c'est lui taper dessus avec notre mouvement. Donc on va utiliser tout ce qu'on peut. Voilà. Ici, un petit tir, c'est lui qui a l'inertie. Hein. Ouais. Ça reste relatif, on va dire. Allez, tue-le. Merci. Attends, on a eu vraiment deux gros tas. Hein. Attends, ils ont tellement de mouvements en plus. Ils peuvent aller partout où ils veulent. Merde, j'espère que tu vas pas crever dès maintenant, Xebus, ce serait dommage. On va essayer de faire en sorte de t'aider. Cela dit, il y a aussi là de la bonne saloperie là. Hein. Est-ce qu'on peut sauter là? Ouais. La priorité c'est de sauver Xebus. On va faire un ligotage. Ça on est sûr au moins. En plus on se protège un peu nous aussi, là ils ont un petit peu de poison. Et on est un peu faible en DPS là face à ces trucs en vrai. Un hit là. Ouais, il faut que les balistes tiennent ce flanc. Hein, parce que... Lui il peut faire son attaque de pendule ou pas? Non, ça va. Putain, en plus il se stock pas, c'est con. Allez. Faut m'empoisonner tout ça. Ici aussi, là, l'élite. Quoi dans sa vie l'élite? Pas grand chose visiblement. Il régénère 20% de sa vie. Waouh, 20% de sa vie quoi. Excusez-moi monsieur. Ok, là on n'a plus rien. On est à pôle. C'est mort. Enfin c'est pas mort mais ça va bientôt mourir. C'est mort, si je vais par ici, c'est trop loin. On va aller un peu par là où c'est un peu plus calme. Ah non, j'ai pu faire ça. Hop. Et hop,
Ok, ici, on tue ça. Voilà, on fait ça, là on peut le sacrifier. Allez, avoine. Est-ce que c'est bien utile ça? Je suis pas convaincu. On peut faire ça, voilà. Donc toi, t'es pas mort, mais tu vas y travailler. Ah la vache, là ils sont tellement, mais pas en tas. C'est la déprime. 0% d'esquive, on prend. 0% aussi. Ok, parfait, lui il est mort. On va les avoiner de loin. Parfait. Du coup, ici, limite une boule de feu aurait été plus utile. Au plus faible, là faut qu'on avance. On recule. Lui il est pas mort, mais pareil, prochain tour. Il a encore deux tours de poison, c'est parfait. On va s'éloigner un peu. Alors on n'a pas beaucoup de pièges encore, il va falloir que j'en pose pour utiliser ma compétence. Pareil, les catapultes pour l'instant c'est pas utile. Alors lui. Il a déjà régénéré sa vie là. Ouh, un deuxième élite. Non, il régénère maintenant. Okay. Très bien. C'est qu'une égratignure. Oui, tout va bien. Alors là, il y a une saloperie là. On peut la sniper. Un petit coup. Ouais, je suis pas convaincu. Ça me paraît pas ultra optique. Tellement pas optique qu'on va balancer un deuxième dans le tas. Tous les autres sont quand même assez loin. J'ai pas pris le bon bâton. Cal débile. Ouh, ça c'est propre par contre. Ok. On peut s'occuper du reste. Là on n'a pas d'esquive normalement, c'est ça. Parfait pour se débarrasser d'eux. Ok, alors. Un deuxième élite, c'est un fendeur, il a 62 gardes. Le petit enfoiros. On va lui balancer du poison. Il devra du coup bien se répandre. Parfait. Lui, on va se le faire avec l'opportunisme. Ouais, sacré jauge de vie le foiré. C'est pas très gentil tout ça. Va falloir qu'on se replie du coup. Je peux tuer quoi ça? Ouais, admettons. Alors ce qui serait bien, c'est d'aller jusqu'ici, de mettre un coup comme ça. Hop, on a 4 cases d'inertie. On peut faire un petit peu de dégâts. Un petit peu quoi. Et toi? Vu que t'as ce truc là, on va en profiter quand même, hein. Ce sera dommage. Non, on touche notre pote si on fait ça. Tu peux te déplacer. Ouais. C'est pas si mal. Xebus, il a de la niaque, on va dire. Il a envie. Il a envie d'en sortir en vie. Aïe. Attends,
direct blessé quoi. Bah ça fait pas tout d'avoir envie Xebus hein, voilà. Tu le sauras maintenant. Il y a une saloperie en plus là. Je peux pas tirer là. Ok, ça touche quand même le mec derrière, ça c'est intéressant. T'es un peu proche là. Non, ça vaut pas le coup. Alors, toi. Lui il va crever. Lui il a pas chargé encore lui donc. On va aller filer un coup de main là. On va garder un point pour après. Alors ici, il faut qu'on profite de l'opportunisme, même s'il y a une saloperie d'armure. Allez, ok, la catapulte. Nettoie-moi un peu ce gros tas là. Voilà, merci, ça nous permet. Oh la vache quoi. Voilà, au moins il est mort. Déjà ça. On va se placer ici. Alors là, lui il est plus ou moins en train de crever. C'est pas si mal. On va avancer pour mettre nos deux tirs. On a plus de points d'action. Ils veulent pas se mettre en tas hein. Ces enfoirés. Ah, on l'a raté. Oh, on l'a raté. Sérieusement. Bah oui, du coup t'as plus de points. Force de rater les gens. Bien évidemment que t'as plus de points. Xebus est sauvé. All hey to Xebus. Ah, il s'est foutu l'immunité, il s'est enlevé le poison. Ah, la saloperie. Ça, c'est pas cool. Il faut que je tue lui. Ouais, non, faut plutôt que je le tue avec toi. Allume-le. Parfait. Et là. Ouais, on peut lancer juste ici, c'est parfait. Ok, alors il nous reste les gros tas à finir. Toi, toi. Toi. T'as plus de points. Y'a plus de points non plus. Ok, faut reculer là. Repli, repli. Toi, t'es hyper serein, pas de problème. Ça passe. L'autre, il s'est chargé là. Faut qu'on s'en débarrasse de lui. Et rapidement. Allez, on cogne. Oh là là. Normalement, il a pas de garde. Ah, c'est de la résistance qu'il a pris. On a un truc qui saute la résistance. Ça m'étonnerait. Pas d'esquive là, ouais. Résistance à l'étourdissement 80%. Ouais, ça va pas être facile. Hein. En plus il est immunisé à tout. Et là il y a encore deux grosses 1. Alors déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre là. On va avoiner ici, parfait.
On charge l'inertie, on cogne, 36 de dégâts. Oh putain. Vingt. Mais parfait. C'est nickel. Allez. Faut le tuer là. Toi tu traverses la résistance toi. Épée. Ceux-là, on va faire comme on peut. Hein. Et on peut leur caler un ligotage. Ça c'est parfait. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. J'ai confiance. Là, il n'y a plus que lui vraiment à gérer. J'ai déjà mis life. Parfait. Lui, il a décidé de se déplacer par là si ça l'amuse. Ça va passer large. Allez, cours par là-bas. T'auras pas de vision ce tour-là normalement. Non, tu peux tuer Exebus, mais je suis pas sûr que ce soit un objectif en soi. Le pauvre Exebus, quoi. Ok, en avant. Ici, du coup, est-ce qu'on pourrait pas balancer une petite catapulte, faudrait que tu bouges, Xebus. Canton, faudrait que tu bouges. Allez. Bim. Bim. Voilà, parfait, y'a plus personne à gérer. À porter avec toi, pas trop hein. Avec ça du coup. C'est déjà ça. Après tout, un petit coup critique et il fait le café hein, Xebus. Voilà. Et le dernier, parfait. Bon, t'as une bonne régénération de vie, ça va. Tu perds pas tous tes PV, ça passe. ...2600. Ah, on a pas de charnier élite, dommage, on l'a tué juste devant pourtant, c'est dommage ça. Et on a même pas un petit cadavre... Non, bon. Et prochain coup, ce sera deux attaques là. Ok, ce flanc là il est bien, ce flanc là il est plus fragile hein. On aura du fendeur, ah on aura des kamikazes. Des kamikazes et des gardiens, ça c'est le pire quoi. La combo de l'enfer. Voyons voir. Continue de travailler là-dessus. Nos objets, le fabricant d'armure. Qu'est-ce qu'on a fait de beau? Un casque élite. De la vie, du mouvement, de la vie. J'aime. Xebus. C'est peut-être pas l'idéal pour toi, t'as peu de vie, mais après tout t'es pas censé en avoir besoin plus que ça. Et en vrai si, t'es censé en avoir besoin plus que ça. On va peut-être vraiment inverser les armes. Hein. Même si le pistolet il est cool pour toi, Xebus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moins un de mouvement, non. Et là, l'armure lourde, non, j'aime pas les pertes de mouvement. Donc on va prendre le casque de toute façon, on verra à qui on le donne. Et là, un arc long. Une cape féerique. Oh, de la précision, de la portée de compétence, c'est pas mal ça. Et un pantalon en soie. On a dit que Canton, t'en avais un qui était pas mal. Hein. Ah ouais, qui donne un peu de critique, oui, c'est pas ouf non plus. On va peut-être te prendre le petit pantalon en soie, Canton. Hein. Tu vas danser au milieu des ennemis. Et du coup, on filerait ça à un de nos critiqueurs. Ah,
Zebus, tu passes à 40% de critique. Tu gagnes un petit peu de vie. Et du coup, on te booste la vie là-dessus. Ouais, c'est pas trop adapté à toi quand même. Hein. Non, bah du coup, vu que Canton, même si les critiques ça aide, on va donner plutôt le casque qui donne des critiques à Xebus. En plus, ça lui fait un petit bonus d'armure, voilà, histoire de dire. Les coups vont glisser le long de ta jambe, exactement. Tu danseras tel un danseur. Aïe aïe aïe. Bon, là, on a un petit pantalon qui nous sert pas à grand chose. On verra si ça vaut le coup de le mettre à quelqu'un. On peut prendre un autre héros encore, hein, mais il faut qu'on paye. Hein. Ouais. Putain, ça coûte tellement cher. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Guilia. Guilia. Chasseuse. Ok. Malchanceuse. The Peak. Et experte. Bon. Pourquoi pas? Chloé, possédée, apte et bonne visée. Ah, ça c'est dommage, le boost de dégâts à distance ici et le malus de dégâts à distance ici. Claire, épéiste, rusée et grande. On a quand même une bonne esquive, hein, mine de rien. Encore un Ulysse, inquisiteur. Moins en plaçant de bibelot, ah c'est nul. Avec une potion de rapidité, ouais franchement. Je pense que je vais prendre Claire. Comme ça, on a directement les niveaux, l'XP et tout à prendre pour cette nuit-là. Parce que mine de rien, on s'approche de la fin, il n'y a plus que 3 nuits. Le magasin, on a des arcs. Du bouclier. Potion de force, ouais. Potion de durcissement, pourquoi pas. De l'esquive. Un petit parchemin de téléportation qui pourrait être pas inutile pour le boss. C'est vrai que du coup tu viens un peu à poil hein, par contre. T'as eu quoi? Des bottes robustes elfiques, ok. Et une potion de garde. Est-ce que t'as la garde épineuse? Non, absolument pas. T'as la fatalité, c'est pas mal. La moisson, ouais. T'as la coagulation, la protection des arrières. Bon, t'as un huile potable en première ligne, on va dire. T'as l'armure organique. Ça peut s'entendre. Qu'est-ce qu'on a comme armure là? Ouais. Armure moyenne. Ça c'est pour Canton. Armure légère ici aussi. Xebus. Ouais, bah c'est. On n'a pas beaucoup mieux. On n'a pas beaucoup mieux. Bon, on va faire les niveaux. Alors, bat syndicaliste. Hein, du dégât ou du critique. Qu'est-ce qu'on a là? La portée de compétence. Bah oui. Du coup on va prendre du dégât. 73% de dégâts, c'est quand même pas mal. Et donc là, expert en critique ou énergisé? Non, plutôt le premier sang parce que le... ouais. La propagation sur les unités, en général elles ont toutes full life. Les premières fois, les premiers groupes qu'on tape. Alors, Canton, de la précision, beauf, de l'armure, pourquoi pas, un peu plus d'armure, du mouvement, t'es pas trop en manque de mouvement. On va te mettre de l'armure. Et de la régène de vie, ça veut dire de l'armure pour toi, on est d'accord. Hein. Ouais. Donc, encore plus d'armure. Voilà, 248 d'armure. Ça compense les faiblesses de stuff qu'on a là. Ça c'est nul pour toi. Pas de garde, ça c'est
pas mal. Hein. On parcourt 4 cases et on tape 100 gardes. C'est quand même vraiment bien pour taper sur les gardiens. On a quoi d'autre? Le marquage. La magie de sang non, la spécialiste non plus. Quand une unité isolée est tuée, 4% de dégâts ou 6% si on a fait des physiques. Mouais. La téléportation. Je pense qu'on va prendre attaque frontale. Ulysse. La résistance ou de l'esquive, ça te sert à rien toi. Et là on a quoi? Ok, on prendra au pire la fiabilité, on va relancer du critique. Ouais, un petit critique. Chance d'étourdissement. Ouais, chance d'étourdissement, on prend aussi en fait. Hein. Là, 74% de chance d'étourdissement avec le choc sceptique, c'est pas mal. Hein. Et puis bah l'épidémie. Je pense qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de débat. Xebus. Là c'est nul. Et là, de la puissance critique. Pas mal. Donc on va relancer ça. Ah. Est-ce qu'on prend ce critique? Allez, on prend ce critique. Et là, on prend la puissance critique. 52% déjà au niveau 5, c'est pas mal. Hein. Rune critique. C'est vrai que t'as cramé du mana, là, la vache. Faut qu'on fasse un peu gaffe à ça, quand même. En même temps, t'étais un petit peu dans une position pas facile. Hein. On va pas se mentir. Donc toi, t'as la fatalité, t'as bodybuilder, donc il faudra éventuellement de la vie, de la régène de vie. Toujours pas vampirisme. Zéro, on a zéro truc pour se soigner, c'est chaud. C'est chaud. Et t'as quand même 12% de dégâts physiques, donc on a tout intérêt à te mettre du physique. Comment ça se fait que t'as 8 de mouvement? Ah, c'est 7 de base. Ouais. Du critique pour toi? Je suis pas convaincu. La vie. Du dégât. La précision. Corps à corps, c'est énervant quand on se rate. De l'XP. Il reste 3 nuits. La régène de vie. Ouais, plutôt de la régène de vie. Portée de compétences, pas trop, dégâts magiques non plus. C'est nul. Chance d'étourdissement avec le marteau, ouais, allez, on va prendre. Soins reçus, non, on a dit qu'on avait rien pour soigner, on a plus de quoi relancer, on va prendre la régène. Là, la fatalité, la coagulation. Du dégât ou de la survivabilité? Là est la question. T'es un peu à poil quand même, hein. On va quand même essayer de te faire survivre. Bah remarque, on peut prendre les deux, vous me direz. Ça peut être pas mal, hein, parce que tu vas pas avoir beaucoup de portée, donc on va te prendre l'armure raccourci, tiens. Allez hop. Ouais, c'est un peu la loose d'équipement en fait, en vrai. C'est ça notre vrai problème, c'est vraiment l'équipement quoi. Un petit home. Alors déjà, on va regarder si dans les trucs qu'on a, il n'y a pas des choses qu'on pourra donner à un autre tank. Canton, t'as le casque. Xebus, ouais, t'as bonus de critique, donc non, tu vas le garder. Un bouclier avec une portée. Non, ça sert à rien, une portée de compétence, je fous de ça. Ouais.
Un petit home. Ouais, un petit home. Chez le home. Est-ce qu'on n'enlèverait pas un truc pour avoir plus d'or? Allez. Même si là, ça aurait été cool de repousser. J'aurais pillé plus de cadavres, ouais, ça aiderait, c'est sûr. Et là, on a une belle hache, je la voulais. Améliorer un petit peu la survivabilité de Claire, quand même un gros boost de vie, pas dégueulasse. On prendra ça au prochain coup, ça lui fera 14% de dégâts. Mais ouais, les cadavres, ils ont été pas mal nerfés, hein. C'est vrai qu'avant, les tas de cadavres, c'était quand même vraiment l'orgie. Là maintenant, en plus ils ont amélioré les trucs qu'on récupère dans ces trucs là. Avec 25, hein, on peut améliorer le rendement du pillage d'un de nos trucs. Pourquoi pas, on peut aussi pas faire ça, le magasin c'est 30. On va faire ça, on va utiliser notre dernier gars pour piller. Et les actions gratuites, alors c'est Xebus qui est en dash de mana pour le coup. Voilà, Xebus, recharge-toi. C'est vrai que le coup de tonnerre, puis même le tir de mitraille, c'est quand même 4 de mana. Hein. C'est pas donné, c'est pas donné, c'est pas donné. Du coup, est-ce qu'on inverse? On sacrifie ici un peu de critique. On va garder le tome et on file le fusil. Allez, on va faire ça. Parce que Xebus, là, entre son peu de mouvement, la moindre erreur au corps à corps, il se fait défoncer le cul. Ça, c'est peut-être pas utile pour toi. On peut le donner. Alors, ça fait moins 10 d'armure, mais 7 de régène de vie. Ça c'est 110%, donc ça compense pas la perte d'armure, c'est dommage. Si je le mets genre sur Claire. Ouais non, ça compense pas, donc non, ça sert à rien, donc tant qu'à faire, garde-le. Si tu te prends un coup, au moins tu régénères un peu ta vie à la fin de la journée. Déjà ça. Bon, par contre, on est bien en termes de matériaux. Ça tombe bien parce qu'ici on est complètement à poil. Hein. Alors, déjà, les réparations. On a quelques trucs à recharger. Ok, toi, on va t'améliorer. Aussi, on va faire des murs. Il va y avoir des kamikazes en plus, donc eux ils vont rusher et exploser tout ce qui passe, comme des gros enfoiros. On peut mettre combien les catapultes? 12. Ouf, 12, c'est pas mal 12. Ça me plaît bien, ça c'est un bébé mur ça. Hop, voilà. Tu sais plus si elle tire ami, alors oui, avec tout. Si tu envoies une catapulte sur un pote, il prend. Si tu lui mets. Si tu utilises un truc de propagation sur un pote, ça lui fait des dégâts. Là, ils vont être plus ou moins obligés de passer entre les cadavres, donc on va poser du piège. Oui, j'ai mis un piège là, mais il servira. Hein. Je m'inquiète pas trop. Une petite barricade pour forcer, voilà, à s'arrêter. Ok. Donc là, c'est trois petites flèches. Et là, c'est trois flèches grosses.
Ok, très bien. Du coup, on va arrêter l'épisode de VOD là, parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, n'hésitez pas. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!